Jeudi 22 août, Tatiana Silva a annoncé sur le plateau de Bonjour la matinale être enceinte de son premier enfant. Un peu plus tard, la Miss Météo belge a partagé la nouvelle sur Instagram, rendant hommage à sa propre maman au passage. Carnet rose pour les équipes de TF1 en cette fin d'été. De passage chez Bruce Toussaint dans Bonjour la matinale, Tatiana Silva a surpris tout le monde en annonçant sa toute première grossesse à l'âge de 39 ans. Après une longue attente, si est-il arrivé, je vais devenir maman dans pas très longtemps et je ne suis très heureuse. Ça a été un souhait de longue date. Si est-il un projet qu'on fait avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, qu'on construit. Ça arrive quand ça doit arriver, a-t-elle lancé à son collègue. L'ancienne Miss Belgique en a profité pour faire le point sur son état d'esprit, alors qu'elle va devoir s'éloigner de l'antenne pendant un moment. « Je suis dans une phase plutôt détendue à gérer le changement physiologique. Si est-il un chamboulement ? Si est-il une gestion du quotidien, les choses arriveront. Mais je ne suis pas encore sur les achats. » a-t-elle ajouté avec le sourire. Ton sacrifice me permet d'être et à mon tour de faire naître. Si Tatiana Silva n'a pour le moment pas souhaité lever le voile sur l'identité du père de son futur enfant, elle n'a pas manqué de partager la magnifique nouvelle avec ses admirateurs. Quelques heures après avoir annoncé sa grossesse sur TF1, la Miss Météo a cette fois officialisé sur son compte Instagram, d'une manière très touchante. L'ex-compagne de Stromae a partagé une photo d'elle bébé dans les bras de sa maman, expliquant être tombée enceinte au même âge que cette dernière. Ma naissance clôturait un cycle pour toi. Au même âge, elle en ouvrira un pour moi. Une boucle se ferme pour en ouvrir une autre, commence-t-elle avant de remercier sa mère. Merci à toi, ton sacrifice me permet d'être et à mon tour de faire naître, écrit-elle avec émotion. Sa maman a en effet été emportée par un cancer du rein alors que l'ancienne reine de beauté n'avait que 16 ans. À sa mort, je me suis retrouvée seule. Ma vie a été faite de haut et de bas. J'ai obtenu la majorité anticipée, qui m'a permis de bénéficier de l'aide sociale. Et j'ai dû commencer à gagner ma vie très tôt, expliquait-elle en 2019. Cette fois, sa vie connaît un vrai haut dont elle compte bien profiter à fond. Découvrez la publication Instagram de Tatiana Silva Diaporama, voir le diaporama.